nous invitons à la prière. Tobengi bino na losambo. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Onkombo ya Nzambe, Tata, Mwana mpe Molimo Santo. Cher Père Céleste, Père d'amour, nous te remercions pour ce moment précis. Tata ya likolo Nzambe amawa totondi obotondi na ngonga eye. Tu nous aimes, Père éternel. Olingi biso Nzambe aseko. C'est pour cela que tu nous donnes encore une fois de plus la possibilité d'être en communion avec toi à travers de ton autel. Yangwana pesi biso nzela ya kozala bomoko elongo na yo na mese santo. Tu mérites la gloire et l'adoration. Nkembo mpe masanzoli ebongi na yo. Tu mérites l'honneur, Père éternel. Lokumu mpe bongi na yo, Tata likolo. Nous voulons être avec toi du début jusqu'à la fin de ce service divin. Posala biso kozala elongo na yo ebandeli kino suka losambo eye. Nous sommes venus ici pour te glorifier et te louer. Nous avons maintenant soif de t'entendre. Ta parole est d'une très grande importance pour nous. Nous prions pour ceux qui sont près ou de loin de nous. Ceux qui n'ont jamais découvert ton église. Et sois aussi, Père éternel, avec tes serviteurs et servantes. Dans toutes choses que nous faisons dans ta maison, nous voulons que cela soit béni et protégé par toi-même. Ici, nous nous souvenons des enfants de l'école de dimanche. Nous nous souvenons de la jeunesse. Et surtout tous les serviteurs de ta maison, frères et sœurs. Nous voulons que ton Esprit Saint puisse nous enseigner ces jours. Et nous prions aussi pour la chaîne de télévision qui doit faire ce grand travail pour être en ligne avec tes enfants. Que ce travail soit parfait par ton amour. Sois avec nous pour ce service divin, Père éternel. Nous prions pour notre pays, pour les membres du gouvernement. Nous prions aussi, Père éternel, pour ceux qui sont malades, les orphelins, les veuves ou les veufs. Et surtout, nous prions pour nos bien-aimés qui ont quitté ces terres des hommes pour l'au-delà. En unité d'esprit avec notre apôtre district et apôtre patriarche. Et tous les apôtres du Seigneur. Que leur prière nous couvre. Nous te demandons tout ceci, Père éternel, au nom de de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, chers serviteurs de Dieu, distingués invités. Balinga mibasi pe mibali, basali anzambi pe bapaya na biso. Nous vous souhaitons la bienvenue à l'hôtel du Seigneur. Otombeli banso boye bolamu na mesa ya nkolo. Pour ce service du vin de ce mercredi 12 août 2020. L'apôtre patriarche nous a envoyé une parole qui est tirée dans l'épître aux Hébreux, dans son quatrième chapitre au verset 12. Malobezali na mokanda ya ba ebelo na mokapo ya minei nzela kotanga zomi na mibale. Je peux lire la parole. Malobelo biboye. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Pambate maloba ya Nzambe ezali bomoi mpe na nguya, nguya yango eleki kutu oyo ya mbeli. Ya etumba ya mino mibale maloba yango ekota kati na esika molimo mpe bomoi ezali ti na esika mikuwa na mafuta ya kati ya mikuwa ezali
maloba yango ebi misaka pe esambisaka baposa mpe makanisi ya mitema ya bato elakisaka makambo nyonso oyo ebombama. Jusque là, chers frères et sœurs, prenez place et la chorale peut nous chanter un cantique. Malinga mibozo esika bofanda mpe bayembi bakoki koyemba nzembo. Chers frères et sœurs en Christ. Balinga mi balpe basi kati na Christo. Chers invités. Bapaya nabiso. Certes, nous avons un devoir ce jour. Ya solo esengi na biso botondi. Un devoir de remercier notre Père céleste. O esengeli kotonda nzambe na biso alikolo. Parce que lui, il nous aime. Mpote ye alingi biso. Lui, il ne veut pas que nous soyons loin de lui. C'est pour cela qu'il a fait que le service divin d'aujourd'hui a lieu. Le grand problème, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. C'est d'une importance très capitale. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dans Jean chapitre 1, verset 1-3, là-bas, Dieu nous parle qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Dieu, la parole était Dieu. Et Dieu, au commencement, a fait toutes choses avec la parole. Toutes choses qui ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle.
nyonso ekelama ekelama yango mokote kaka na liloba nde ezali. C'est pour vous dire que dans la parole de Dieu, Dieu est dans. Linkolobete na kati liloba ya Nzambe, Nzambe aza kuna kati. Chers frères et sœurs bien-aimés en Christ. Balinga mibasi pe mbali na kati na Christo. Nous devons faire attention dans la manière dans laquelle nous sommes en train d'entendre la parole et de la mettre en pratique. Parce que pour être sauvé, par la parole de Dieu, il faut la mettre en pratique. Or Dieu nous parle d'une manière à une autre. Dieu utilise nos dirigeants, nos serviteurs, nos porteurs de bénédictions pour nous parler. Aux anciens temps, il y a une histoire biblique. Quand nous lisons dans 1 Samuel, chapitre 3, versets 1, 2 jusqu'à 4 ou 8, là, il est dit que le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. On peut dire que Élie fut son prêtre ou son maître. À l'époque, il dormait dans le temple du Seigneur à côté de l'arche de l'Éternel. Et Élie dormait à l'écart. Une bonne nuit, l'Éternel appela l'enfant Samuel. Et Samuel a écouté la voix d'Élie, son maître. Samuel ayokaki mongongo ya Eli andenga nganzambe. Et il s'est réveillé, s'est couru vers Élie. Alamuki pe na lombango akimi pembeni ya Élie. Il dit, tu m'as appelé. Ayebi tunye motuna Eli ya obiangi ngai. Et Élie a répondu, je ne t'ai pas appelé. Eli a lobi te ngai na bengi yo. Allez dormir. Kende kolala. Une fois encore, ça répété. Et il revient encore. Et lui dit, mais moi je ne t'ai pas appelé. Allez dormir. Une troisième fois, c'était pareil. Et là, c'est par là, et lui dit, c'est Dieu qui t'appelle, c'est pas moi. Cette fois-ci, s'il t'appelle, Dieu répond que parle, ton serviteur t'écoute. Et quand il est rentré pour une fois de plus, Dieu a parlé et lui a dévoilé toutes choses qui devraient arriver dans la famille d'Élie. Pour vous démontrer noir sur blanc, chers frères et sœurs, que l'Éternel utilise toujours nos serviteurs pour qu'ils nous parlent. Donc la parole prêchée par un frère de ministère, c'est la parole de Dieu. Il faut mettre ça en pratique. L'auteur de l'Épître aux Hébreux a très bien souligné maloba oto tayi na mukanda ba ebelo abtie mokolo to penza na maloba oyo. Il dit que pour être sauvé, nous allons d'abord mettre la parole de Dieu prêchée à l'autel en pratique. Mokolo to na likolo ya esengeli kotia na mosala maloba tozo kampote tobika. C'est pour cela il faut aussi avoir la foi. Na yango esengeli pe kozala na kondima. Il faut que la parole rencontre la foi dans ton cœur. Ça doit permettre le salut de l'âme. Je peux encore vous donner un exemple de l'ancien temps. Il y avait un commandant de l'armée, Naaman le lépreux. Naaman,
Il était malade. Abandai Kobela. Il avait tout fait pour être guéri, mais c'était rien. Asalakinyo sompozo lobiko eloko moko esalema kite. Comme chez lui, il y avait une fille esclave qui travaillait dans sa maison. Nanda konaye ezalakin amwana moko abandai kosala mosala lokola moumbu. Un jour, cette fille là avait dit à sa femme, à la femme de Naaman, pour aller chercher un prophète qui peut guérir sa lèpre. Raison pour laquelle Naaman a mobilisé ses travailleurs pour aller chercher les serviteurs de Dieu. Mais quand il est arrivé chez Élisée, mais l'homme de Dieu n'est pas sorti de lui-même. Lui, il lui fit dire par un messager, allez te laver dans le Jourdain cette fois. Quand le serviteur est rentré, Naaman s'est irrité. Il dit, ça c'est quoi? Moi j'aurais souhaité que lui-même il vienne en personne, il prie son Dieu. Il touche même les plaies là où je suis en train de souffrir. Mais ça c'est vraiment une insulte. Lui il dit, allez vous laver, mais partout où je passe j'ai déjà lavé à plusieurs reprises. Et ça c'est quoi? Alors comme ça on rentre. Mais ce serviteur lui dit, chef, ne fais pas cela. S'il était que le serviteur de Dieu te demandait beaucoup de choses à faire, ne devrait pas faire cela. Mais aller se laver dans les Jourdains, c'est la moindre des choses. Par cela, Naaman s'est humilié pour aller se jeter cette fois dans les Jourdains. Et après la septième fois, sa peau était devenue saine. Et il était pur. La lèpre était disparue. La guérison miraculeuse de Naaman était lié au respect de la parole de Dieu. Il n'y avait pas autre mesure. Il n'y avait pas autre chose. Donc vous voyez que quand nous nous appliquons, nous mettons en pratique la parole de Dieu, nous aurons le salut. C'est pourquoi par moment, quand on prêche quelque chose à l'autel de grâce, parfois la parole nous relate la situation dans laquelle nous nous trouvons. C'est comme si l'officier a été soufflé par quelqu'un d'autre. Or, Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît la pensée d'une personne humaine. Et Dieu connaît l'avenir d'une personne humaine. Rien n'est caché devant notre personne. C'est pourquoi prenons-nous-en au sérieux toute chose qui vient de Dieu, toute parole qui vient de Dieu. Souvent, ce sont des avertissements pour nous prévenir du danger qui est à venir. C'était pareil avec Pierre. Parce que Jésus l'avait prévenu pour dire que, attention, il y a un problème qui doit arriver à toi. Je te l'ai dit en vérité, cette nuit, avant que le coq chante, tu dois me renier trois fois.
Pierre a dit, cela ne peut pas se faire, mon chef. S'il faut que je meure avec toi, je le ferai. Mais ce n'était pas trop loin. Jésus fut arrêté. Malmené par ses bourreaux. On crachait même sur lui. Une servante vient, mais comment vous avez arrêté Jésus? Mais celui-ci est pareil avec lui. Non, moi je ne le connais pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça, c'était la première servante. Une deuxième servante arrive. Mais comment? Celui-ci, il est pareil avec Jésus. Sa manière de parler est comparable à Jésus. Mais Jésus n'est pas arrêté. Vous avez fait une erreur. Il faut l'arrêter. Lui, toi, tu es avec lui, Jésus. Il dit, j'injure, je ne connais même pas cet homme-là. Et après cette deuxième servante, ceux qui étaient aux alentours de lui disaient que sa manière de parler, c'est Jésus. Oh, moi j'injure, je ne connais pas la personne Jésus-Christ. Et en ce moment-là, le coq chanta. Et Jésus, et quoi? Pierre se souvenait de la parole de Jésus. Et la Bible nous enseigne qu'il plaira amèrement. Chers frères et sœurs, revenons là où nous sommes. Souvent, on se souvient de la parole de Dieu après une bourde faite. Une bourde déjà causée, une grande faute. Et après tu dis, oh, je me souviens de ce qui a été prêché à l'autel. Pour ne pas arriver à cela, et l'amabilité de mettre en pratique la parole de Dieu en tout moment et en tout instant. Même dans nos familles, il ne faut pas dire que non, moi je suis chez moi, il faut que je fasse tout ce qui me semble bon. Même à l'égard de ta femme ou de ton mari, de ta voisine ou voisin, même dans la famille, il faut que ceux qui nous courtoient sentent réellement que celui-ci, c'est un enfant de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu est très bien pour nous. Il faut la mettre à tout moment en pratique. Je peux vous donner l'exemple d'un miroir. Le miroir nous sert à se voir tel que nous sommes. Ça nous aide à te voir. Pour dire que ah, ça c'est moi, il y a un problème, j'ai mal peigné, j'ai mal habillé, la cravate n'est pas bonne. C'est pareil à la parole de Dieu. Il nous aide à nous voir comment nous nous comportons. Il nous aide à nous bien conduire. Et il nous aide à être toujours en communication avec notre Père Céleste. Donc sans la parole de Dieu, vraiment pour nous c'est difficile de vivre. Le grand problème, écouter la parole de Dieu, c'est bien, mais la mettre en pratique, c'est mieux encore. Même dans notre vie quotidienne, on peut être malade aujourd'hui. Par exemple, tu peux aller chez un médecin. On te donne les produits après les examens, on vous donne quoi, l'ordonnance.
Et quand vous achetez le produit de la maladie trouvée, on doit te dire comment prendre le produit, les médicaments. Et pour avoir la guérison, il faut respecter la dose. Il ne faut pas dire que non, comme moi je suis ici, je ne peux pas prendre. Il a dit prendre dès le matin, dès le soir, je prends seulement un le matin, un comprimé le soir. Il sera fait guéri. Donc il faut toujours respecter tel que le médecin. Et cela vous a, doit t'amener à une guérison. Il y a un exemple que moi j'ai vécu dans mon champ d'activité. Une sœur était malade. Malade mentale. Elle était amenée chez les, là où on traite les malades mentaux. Là-bas, on l'avait donné des médicaments pour prendre à la maison. Le produit, le comprimé qu'on donne là, c'est trop petit. Le docteur a dit il faut prendre un demi le matin et un demi le soir. Mais quand il a vu le produit très mince, il a dit, mais ça, comme je sens beaucoup de douleurs, maux de tête, je ne peux pas guérir avec ces demi-morceaux de comprimé. Moi, je veux la guérison rapide. Elle a pris deux le matin. Et le soir, il était toujours en train de dormir. Elle avait fait deux jours sans se réveiller. Quand on a appelé le docteur, il dit comment est-ce que lui, elle a pris le produit? Non, le matin, elle avait pris deux. Le docteur dit ça c'est grave. Elle peut faire même 4 jours sans se réveiller. Et heureusement, le docteur est venu pour donner un produit qui peut abaisser la tension. Vous voyez, chers frères et sœurs, le respect de l'ordre donné est d'une importance. Cela va nous amener à avoir le salut. Et avoir aussi la vie sauve. Il ne faut jamais fouler aux pieds la parole de Dieu. Nous voulons être toujours obéissants. Soyons dociles par rapport à la parole de Dieu. C'est pourquoi nous avons dit la foi est d'une importance très capitale. Parce que la foi nous permet à obéir, à être fidèle jusqu'à la fin et à être préservé du mal. Nous voulons être toujours en communication avec l'autel des grâces. Pour vivre à jamais et avoir le salut éternel. Que cette parole proclamée aujourd'hui soit gravée dans nos cœurs jusqu'au jour du Seigneur. Amen. Amen. Pour ce servir du vin, chers frères et sœurs, je ne suis pas seul. Je suis accompagné de notre apôtre Faustin Wingi. Il peut venir à l'hôtel pour nous aider aussi. Et pour ce faire, la chorale peut chanter un cantique pour préparer le chemin. Oh.
Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes heureux ce soir. Parce que nous avons écouté l'appel de notre Dieu. À travers son serviteur, notre apôtre. Mais qu'est-ce que nous allons faire avec? Nous devions prendre une position. Soit la mettre dans le cœur et mettre ça en pratique. Soit ne pas la considérer. Mais quand on ne considère pas la parole de Dieu, on ne va pas savoir que c'est puissante. Bien-aimé dans le Seigneur, comme Dieu a fait dans le temps passé, c'est de la même manière qu'il agit à notre temps. S'il a appelé Samuel, comme l'apôtre venait de dire ici, il nous appelle aujourd'hui aussi. Allons tokende vers Dieu. Il va nous expliquer. Il y a des fois, on ne peut pas comprendre la parole exactement ce que ça veut dire. Mais il faut simplement lui faire confiance parce qu'il va nous expliquer. Et après, nous allons comprendre vraiment le bon sens de la parole. Dans Romains, il est écrit que du haut du ciel, l'Éternel est en colère. Le premier chapitre, verset 18. Je vous demande d'aller lire ça. Vous allez voir comment est-ce que Dieu agit. La parole de Dieu est claire. La parole, l'évangile que nous recevons aujourd'hui est claire. Là, il est écrit que même si l'homme pêche toujours, mais Dieu lui révèle toujours sa parole. Tellement que la parole est claire, le mensonge ne se camoufle pas devant la parole. Et comme la vérité aussi ne peut pas alors se camoufler. Le mal ne peut pas aussi se cacher. C'est comme aussi le bien ne peut pas se cacher. Tout est clair. Tout se voit. Tout est à nu. Dieu voit. Il nous aime, il nous conduit dans pour le salut. Et nous aurons le salut à travers l'évangile que nous recevons aujourd'hui. Que Dieu nous aide pour y parvenir. C'est lui qui nous a appelés. Il ne va pas nous abandonner. Et nous y parviendrons. Amen. Amen. Bien-aimés, frères et sœurs. Balingami, mibali pe basi. L'apôtre a très bien dit ici. Toma lobi malamu awa. La parole de Dieu est claire. Loba ya nzambe ezali polele. Il démontre les mensonges et la vérité. Ezali kobimisa na poisa bosolo lokuta. La parole de Dieu ne fait rien cacher. Loba ya nzambe zo bomba eloko mokote. Et c'est pourquoi par moment Dieu nous appelle d'approcher de lui. Na yango nzambe ezali kobianga biso to pusa na pembeni na ye. Il dit viens, je vous aime. Cette parole ne s'adresse pas à la raison humaine, mais à notre cœur. Nous devons créer de l'espace, bien-aimés, pour que la parole de Dieu trouve de l'espace. Si la parole de Dieu trouve de l'espace en nous, tel que nous venons de dire là tout de suite,
Nous aurons une grande foi. C'est pourquoi dans Romains 10, 17, si ma mémoire est bonne, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc il y a beaucoup de richesses dans la parole. Il suffit de la mettre en pratique. Et nous serons heureux et bénis. Chers frères et sœurs en Christ, nous devons faire un effort pour ne pas se comporter comme les gens d'ici-bas. Dans un état sans loi, il n'y a pas état. C'est pourquoi il y a aussi les ordonnances de Dieu. Il faut en respecter. Prenons l'exemple de la route. Sans code de la route. On ne pouvait pas se rouler. On devrait avoir beaucoup de cas d'accident chaque jour qui se passe. Raison pour laquelle un bon chauffeur va vraiment faire un effort pour comprendre les codes de la route. Un état sans loi, c'est pas un état. C'est parfois les hommes de ce monde disent état de droit. Là où règne les lois. Chez notre Père Céleste, nous devons faire un effort pour respecter ces règles. Parce que la parole de Dieu nous donne la possibilité d'obéir à Dieu. De comprendre que ceci est bon, ceci est mauvais. Comment faire pour être en communication avec lui? Toutes ces choses ici, Dieu nous éclaire par sa parole. Raison dans laquelle nous avons dit ici qu'il faut mettre à tout moment à profit la parole prêchée à l'autel de grâce. Chers frères et sœurs en Christ, chers serviteurs de Dieu, distingués invités, nous devons maintenant s'arrêter parce que Dieu a fait beaucoup de choses pour nous. Nous devons aussi lui rendre être reconnaissant à son égard. C'est pourquoi nous insistons à tout moment qu'il faut l'aimer. Parce que c'est lui qui nous a aimés les premiers. Pour avoir un tel conseil, ça vient de lui-même. Beaucoup de pays, surtout ici chez nous en Afrique, il y a le phénomène enfant de la rue. Est-ce que vous pensez que ces enfants-là n'ont pas de parents? Ils ont des parents. Mais ce sont des enfants qui n'écoutent pas. Quand le papa parle, il hausse aussi le ton. Quand le papa parle, il sort, il dit « Shérif est là ». Au finish, l'enfant est devenu dans la rue. Le mari de la rue, c'est qui? Parce que la rue a beaucoup d'enfants actuellement. La rue a hérité les enfants qui sont vraiment des têtes dures. Nous voulons obéir à la parole de Dieu et la mettre en pratique pour être sauvé au jour du Seigneur. Que cette parole soit éternellement dans nos cœurs jusqu'au jour du Seigneur. Amen. Amen.
Maintenant, nous arrivons dans un moment très solennel de ce service divin. Nous allons recevoir les pardons de nos péchés. Pour préparer nos cœurs, nous demandons à la chorale de nous chanter un cantique de repentance. Communauté peut s'élever. Réunissons-nous dans la prière que le Seigneur nous a enseignée. Prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Maintenant, je vous annonce la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, vos péchés vous sont tous pardonnés. Et la paix de la ressuscité soit avec vous tous. Amen. Amen. Cher Père Céleste, Père d'amour, Tata Likolo, Tata Bolingo, nous ne cessons de te remercier, Père éternel. Parce que tu fais beaucoup de bonnes choses à notre égard. Nous venons de recevoir le pardon de nos péchés. Pour cela, nous te disons merci. Nous te remercions pour la belle parole d'aujourd'hui. Cela nous renforce spirituellement. Père éternel, nous prions pour nos bien-aimés à qui nous sommes appelés à travailler avec et dans ton œuvre. Que ce soit tes serviteurs, tes servantes, tes choristes et même la jeunesse. Pourquoi pas l'école de dimanche? Soit avec tout le monde là. Donner à chacun de nous la bonne manière de bien te servir. Et la docilité d'être toujours dans ton œuvre. En unité d'esprit avec notre apôtre du district, apôtre patriarche, et les apôtres du Seigneur, que leur prière nous couvre. Nous te demandons, Père éternel, tout ceci au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons clôturer le service divin en prière. Cher Père Céleste, Père d'amour, nous sommes très reconnaissants à ton égard. Grâce à toi, nous sommes tes enfants. Tu nous as choisis, Père éternel, avant même la fondation de ce monde. Permet que ton Esprit Saint puisse nous conduire à tout moment et à tout instant. Nous prions pour ton œuvre. Que l'Église du Seigneur soit à tout moment
avec toi dans toutes choses que nous faisons. Ecclesia mokonzi ezala elongo na yo na nyoso tokosala. Nous prions Père éternel pour notre pays. Il y a la rentrée scolaire, les enfants retrouvent les chemins de l'école aujourd'hui. Bana bazongeli kelasi, protège-les. Batela bango. Protège aussi les corps enseignants. Pesa pe, batela mpe balakisi. Pour qu'ils soient exemptés de tout mal. Banso, babatela ma na bobe. Nous prions pour tes serviteurs et tes servantes. Tobondeli pona basal na basi pe amibali. Bénis leurs sacrifices. Pambola komika bana bango. Et sans toutefois oublier nos offrandes. Bobosa na tema kabona biso. Ceci vient de nos labeurs quotidiens. Bénis la source de provenance de nos offrandes. Père éternel, nous voulons être avec toi au chemin de retour. Et chacun de nous arrive chez soi sain et sauf. En unité d'esprit avec notre apôtre d'Issique, apôtre Pascal et les apôtres du Seigneur. Et tous les serviteurs de ta maison, que leur prière nous couvre. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient et restent avec vous tous. Bonzenga yankolo na biso Jésus-Christ, bolingo ya Nzambe Tata, pe bokange mina molo mo santo ezala mpeti kala na bino banso. Amen. Le service du vin est terminé. Le sambo est sili. Nous demandons à la chorale pour un cantique de la clôture de ce service du vin. Nous sommes bien bizembo, on va passer en zembo à construire le sambo. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons la circulaire qui nous est adressée par notre apôtre district relative à la reprise des activités dans nos communautés, dont voici la teneur. Chers frères et sœurs, nous sommes reconnaissants à notre Père Céleste qui a pris soin de nos âmes durant les mois passés. Nous sommes nombreux à avoir bien apprécié d'être servis par sa parole virtuellement. Dans le confort de nos foyers. Rien ne peut remplacer cependant la pleine expérience d'un service divin. Nous avons soif de rentrer dans notre communauté pour célébrer la Sainte Cène là où c'est permis.
yakozongo kata masanga na biso kosepela molemo santo bisike enzela esil ko pesama. Et de vivre l'intense communion avec notre Seigneur et avec nos frères et sœurs. Rebande ko umela na kata bomoko nankolo na biso mpe na kata bandeko na biso ya mibali mpe ya basi. À moins de circonstances imprévisibles, bongo soki makambo mususu oyo ekokaki kokoma te komi. Les services divins dominicaux en personne reprendront le dimanche 16 août 2020. Le sambo ya biswa mokolo yenga esengeli kozonga na mokolo ya le 16 août 2020. Nous voulons nous préparer pour le retour dans nos communautés et partager avec vous quelques mesures nécessaires pour assurer la sécurité de chacun. Tolingi ko kabolana bino ndambo ya makanisi pona koeba ndeko batelama ya moko na moko. Veuillez prendre note des directives suivantes. Malamubo yeba kokoma maye kozelingi kolobasika. Veuillez vous abstenir de fréquenter les services divins en personne si vous avez des symptômes de maladie. Koyana ndako na nzambe te soki bilembo ya bokono ezali komonisama na kati na yo. Ou si vous faites partie des groupes à risque pour raison médicale ou d'âge. Soki ozali mokolo tope ozali na molongo ya baye bakoki kokweisama noki noki nde na bokono wana. Les services divins dominicaux en ligne continuent d'être assurés. Zokande lo sambo ekoyeba nde kokoba na nzela ya singa. Et sont une bonne alternative pour les malades. Yango ezali lisalisi mingi mpona bato na bokono. Ceux qui font partie des groupes à risque ainsi que pour ceux qui ne seraient pas confortables de vivre un service divin en personne en ce moment. Baye bakoki kozala na molongo ya bato na bokono tope baye bamonete bakoki nano koyana ndako na nzambe te. Selon les mesures préconisées par le gouvernement, na lolenge mikano mimizwami onzela ya mbula matadi, nous respectons les règles de distanciation physique 1,5 mètre. Tozali kotosa mibeko ya mbula matadi kozala mosika na mosusu na 1 mètre na ndambu. Depuis notre arrivée à l'église, lorsque nous entrons dans l'église lors des déplacements ou au sein de l'église, lorsque nous sommes assis et lorsque nous quittons l'église, les membres d'une même famille sont permis de se déplacer et de s'asseoir ensemble. Il n'est pas permis de se rassembler dans les espaces communs. Par exemple, devant l'église ou à l'hôtel, ni avant ni après le service divin. Les masques de protection sont obligatoires. Masque oyo ya komibatela yango ezali na mokano esengeli solo nde kolata yango kaka. Sauf pour les petits enfants de moins de 2 ans. Kolongola bana mike ba ibazali na mbula mibale. Nous recommandons que chacun apporte son propre gel désinfectant de poche et masque de protection à l'église. Tokosenga na moko na moko aya na kisi na ye ya mayi gel mpona kosokolaka nango maboko to pe masque na ye moto na moto azala na oyo ye moko. Selon les réglementations locales, le masque devra être porté pendant le service divin. Lors de la prière de notre Père, de la célébration de la Sainte Cène ou lors de chaque déplacement. Il n'est pas permis de chanter un instrument où soliste fera le nécessaire. En raison des règles de distanciation physique, la capacité d'accueil de notre église est restreinte. Lisanga lolenge ya bato ya koya na kata na ndako na Nzambe ezokoma moke. Le nombre de participants est trop élevé par rapport au nombre de places. Nzokande baye basengeli koya bazali bayike po bisika bizali moke.
Il est important de communiquer votre intention de participer au service divin en personne à votre responsable de communauté. Malamu koyebisa likanisi na bino ya koyana losambo na mokambi ya lisanga. Ou à votre prêtre de quartier. Tope nanganga ya nzambe azali kotala eteni na bino mabele. Afin de leur permettre d'assurer une bonne planification. Pona kopesa bango nzela babongisa malamu losambo. Vous serez accueilli par le service d'ordre. Veuillez suivre leurs consignes car ils assurent un rôle important et vous assisteront dans l'implantation de ces mesures. Chers parents, il est important d'accompagner vos enfants à tout moment afin d'assurer qu'ils sont confortables. Qu'ils respectent les directives et pour la sécurité de chacun. Veuillez arriver à l'église plus tôt afin de vous permettre de vous recueillir calmement avant le début du service divin. Veuillez vous familiariser avec la fiche ci-jointe qui détaille les directives à suivre. Unissons-nous dans la prière pour un retour à la maison bienheureux et harmonieux au sein de notre communauté. Votre apôtre district, Michel Depner. Voilà, c'est la fin de cette circulaire. Desuka ya sangoyo.